Je suis partie faire des courses. Je passe prendre les enfants à l'école à midi, et je rentre préparer l'anniversaire de Jason. Ne travaille pas trop. Je t'aime. Je vais aller prendre une douche et m'habiller avant de descendre. J'ai un peu de temps avant que Grace et les enfants n'arrivent. Je vais en profiter pour travailler un peu. Thank you.
J'ai bien avancé sur les plans. Ça devrait être terminé pour lundi. Bientôt midi. Grace et les enfants ne devraient pas tarder. Il fait un temps magnifique dehors. Je pourrais en profiter pour aller un peu traîner dans le jardin. Vous allez me faire tomber. Ah, alors, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui que je vais être grand. 10 ans, c'est pas encore tout à fait grand, mais tu t'en rapproches. Je vais pouvoir conduire ta voiture? Je crois qu'il va te falloir encore un peu de patience. Ethan, tu peux m'aider, s'il te plaît? Tu peux pas rattraper. J'arrive. Ils sont tout excités depuis ce matin. J'arrivais plus à les calmer au supermarché. Et toi, ça va bien?
T'as réussi à travailler un peu? J'ai pas mal avancé sur les plans. Encore quelques détails à régler et on devrait être prêt à présenter le projet immobilier au client. Oh, j'ai un milliard de choses à préparer. Ça sera jamais prêt avant que les copains de Jason arrivent. Tu peux me donner un coup de main? Il doit y avoir des assiettes dans le buffet du salon. Pas de problème, je m'en occupe. La porte se coince souvent. Ouvre d'un coup sec. Service que nous a offert ma mère. Fais-y attention, d'accord? T'inquiète pas, je voudrais pas être responsable d'un incident diplomatique avec ta mère. Chaque jour qui passe, je la trouve plus jolie. Ethan. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit aujourd'hui, Madame Mars. Mais je vous trouve très séduisante. Vous n'êtes pas mal non plus, Monsieur Mars. Je sais à quoi tu penses, Ethan. Mais c'est vraiment pas le moment. Dommage. Il faut vraiment que je m'occupe de la fête. On reprendra cette petite discussion ce soir. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Non, merci. Je devrais m'en sortir. Jason a l'air content. Ouais. J'ai du mal à croire qu'il ait déjà 10 ans. J'ai l'impression que c'était hier qu'on flirtait tous les deux au lycée. Ça y est, on devient vieux, Ethan. Tu as réussi à trouver le cadeau pour Jason? Ouais. Je suis passée le prendre au magasin tôt ce matin. On a eu de la chance, c'était le dernier modèle en rayon. Les invités de Jason arrivent quand? Vers 2 heures. J'espère arriver à garder la situation sous contrôle. Pas comme l'année dernière. Ça y est, je suis libre comme l'air. Bon, 5 minutes les garçons, ok? Après, il faut qu'on déjeune, les invités de Jason vont arriver. Ok, promis maman. Qui veut commencer? Moi d'abord! Non, moi d'abord! Moi d'abord. Du calme, on va faire chacun son tour. Allez, viens Jason, on va faire l'hélicoptère. Ok, Sean, tu es prêt? C'est parti!
Allez, papa, montre-nous comment tu fais. Montre-nous tes gros muscles. Attention, accrochez-vous. Cette fois, t'es foutu! Tu vas payer pour tous tes crimes, capitaine papa! Cette fois, je crois que je fais tes prières. Allez, Jason! Oui! Laisse tomber! Je vais t'embrocher! C'est prêt, les enfants. On vous arrive. Sean, le déjeuner est prêt. Je vais le chercher. Qu'est-ce qui se passe? C'est Merlin. Il est mort. Il est mort et c'est de ma faute. Mais non, Sean, tu n'y es vraiment pour rien. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il vive encore un peu. Tu sais, Sean, certaines choses doivent arriver. Même si on ne veut pas. C'est pas juste, papa. C'est pas juste. Je sais. Je sais. Jason. Viens, mon gars.